Triste novembre. Lisa se souvient de son enfance. Elle n'a même pas passé l'adolescence. Elle souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve pour chasser l'image qu'elle a de son père. Lisa se souvient de toutes ses nuits qu'il entrait dans sa chambre sans faire un bruit. Il lui disait qu'il serait toujours là, mais ne pensait pas qu'il serait sous ses draps. Tous les soirs elle tremble chaque fois qu'il le pense, que c'est son père qui viendra pour l'aborder. Elle est seule dans sa chambre, pleure en silence, mais elle n'a personne pour la réconforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre l'enfance qui ne lui a jamais été accordée. C'est une journée d'automne, un triste novembre que Lisa ne pourra jamais oublier. 10 ans plus tard elle en souffre encore, porte encore les traces sur son corps. Il lui disait que tout irait bien, il lui répète encore le même refrain. 10 ans plus tard il avoue ses torts, sans émotion et sans aucun remords. Mais il disait qu'il le regrettait, trop tard car le mal est déjà fait. Tous les soirs elle tremble chaque fois qu'il le pense, que c'est son père qui viendra pour l'aborder. Elle est seule dans sa chambre, pleure en silence, mais elle n'a personne pour la réconforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre l'enfance qui ne lui a jamais été accordée. C'est une journée d'automne, un triste novembre que Lisa ne pourra jamais oublier. C'est un triste novembre. Ooh, yeah. Triste novembre. Lisa reste forte à la vie, elle s'accroche. Elle se dit qu'un jour son cauchemar sera terminé. Elle en parle à ses proches, de son père elle décroche. Elle se dit qu'un jour de lui elle sera libérée. Tous les soirs elle tremble, chaque fois qu'elle pense, que c'est son père qui viendra pour l'aborder. Elle est seule dans sa chambre, pleure en silence, mais elle n'a personne pour la réconforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre l'enfance qui ne lui a jamais été. C'est une journée d'automne, un triste novembre que Lisa ne pourra jamais oublier. Tous les soirs elle tremble, chaque fois qu'il le pense, que c'est son père qui viendra pour l'aborder. Elle est seule dans sa chambre, pleure en silence, mais elle n'a personne pour la réconforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre l'enfance qui ne lui a jamais été accordée.